Mission 4, guerre commerciale. Nous devons établir un réseau commercial qui nous permettra de financer nos expéditions. Et cet estuaire en est un point névralgique. Allez, je reprends la chèvre en vrai. J'aime bien la bergerie. Hagen had eluded us. So Egil left to track him down himself. He was to send for me upon finding him. In the meantime, Bran and Halvar insisted we establish a far-reaching supply network for all our future expeditions throughout Northgard. This would be a war of another kind entirely, one to be fought with gold rather than steel. I just had to focus on the task at hand, waiting to hear from Egil. Ok, il va falloir gagner de l'argent. Le capitalisme. Nous y voici, c'est l'endroit idéal pour établir notre réseau commercial. Nous avons du pain sur la planche. Évitons de faire couler le sang, ce n'est jamais bon pour les affaires. Quoi? J'ai pas le droit de faire couler le sang? Bien le bonjour, messire. Je vois que nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Cette région garantira la prospérité commerciale de qui se l'appropriera. Salutations, vous devez être Liv, du clan du Corbeau, lieutenant de cette vermine de Hagen. Je préférais vous savoir mon allié que mon ennemi. Mais les Nornes y semblent opposés. N'espère aucune pitié de ma part, Corbeau. Très bientôt, tous les biens importés dans Novgarde devront passer par nous. Nous. Un seul clan peut régner en maître sur le commerce dans la région, et je ne vous laisserai pas me mettre des bâtons dans les roues. Je vous souhaite néanmoins bonne chance. Certaines batailles se gagnent sans fanfaronnades et autres démonstrations de force. Pour mon plus grand plaisir, nous vous souhaitons également bonne chance, vous en aurez besoin. Nous ferons bien de nous mettre au travail. Pour l'emporter, nous devons construire un dock à Drakkar et un phare. Ah ouais, c'est cru pour Alexandrie, lui. Profiter des grandes routes commerciales. Ok, alors, victoire commerciale. Il ne s'agit pas ici d'utiliser la force brute pour écraser l'adversaire, mais plutôt de nouer des liens avec d'autres clans, de confier à des marins et des marchands le soin d'établir des routes commerciales. Construire un dock à Drakkar, puis y ajouter un phare, est essentiel pour ouvrir de grandes routes commerciales et gagner en influence. Ouais, c'est un peu moins mon style de jeu, mais on va essayer. On va essayer de faire ça bien. On commence. On fait, bien sûr, premier truc, camp d'éclaireur. Indispensable. Et deuxième truc, cabane de bûcheron. Est-ce qu'on n'attend pas et on essaye de le faire à côté la cabane de bûcheron, genre un endroit où il y a plein d'arbres. On commence à mettre en place des bons départs. Deviens éclaireur et éclaire-moi sur ce qui se trouve aux alentours. Non, ici, s'il te plaît. Je suis sûr qu'il y a plein d'arbres ici, ça se voit. Comme ça, petite cabane de bûcheron là où il y a plein d'arbres. Et ça c'est top. Je vais me faire une petite bergerie aussi. Vite fait la bergerie. Mais j'avoue que j'ai déjà un mouton. Et ce serait dommage de ne pas récolter la nourriture qui peut nous amener. Oh, je me suis fait avoir, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Ok, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toi, viens là. Viens là. Construis-moi une cabane. Let's go. Ok.
Est-ce qu'il y a des moutons ici? Oh, pas de moutons. Dommage. Par contre, je peux faire truc de chasseur. J'ai un truc runique. Ah, c'est ça. Ok. Et j'ai un truc de pierre. Deviens bûcheron. Let's go. Ici, on va coloniser direct. Il y a du mouton. Et ça. Ça, si c'est pas génial. Petite terre avec du mouton. Hop. Quoi faire une ferme? Est-ce que je peux faire une ferme du coup? Champ? Fais-moi un champ. Fais-moi une autre bergerie. Exploitons tous nos moutons. Je vais faire des maisons. Promis. Ah, j'ai bien la place pour une petite maison. Toi, deviens fermier hein, par contre. Et toi, fais-moi une maison. Genre ici. Ici. Non, petite maison ici. Non, toi, maison ici. Et toi, dans la bergerie. Ok, on gère plutôt bien. C'est vrai que je dois faire un dock à Drakkar. Et... faisons un dock à Drakkar. Ça va, j'ai laissé de la place. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà, on va regarder ça. C'est dans quoi? Dans commerce. C'est en... Parce que j'ai pas assez de bois, c'est ça. Ça l'histoire. C'est vrai qu'en théorie, ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi. Ah ouais, mais du coup c'est quand même un bûcheron. Viens me faire un coin de bûcheron ici. Est-ce que je peux les retransformer en villageois ou pas? Genre en les réaffectant à... Ah je sais pas, la maison commune. Ou alors non, c'est mort. Je me pose cette question. Là il y a un loup. Je fasse à... Deux loups même. Oula, faut que je fasse attention. Hop, deviens bûcheron aussi. Voilà, comme ça en termes de bois on va être très bien. Et il faut être très bien. J'ai construit ma maison. Ah oui, là, c'est vrai. Déjà oublié. J'ai fait zéro truc militaire. Faudrait, hein. Faudrait que je fasse un truc militaire. Est-ce que je ferais pas un petit camp dans la forêt? Petit camp dans la forêt, petit camp militaire. On peut se tâter, hein. Ça coûte combien le camp militaire? Combien 80. Je vais faire le dock hein, d'abord. Ça a l'air mieux. Ça a l'air sacrément mieux le dock. Mmh.
Intéressant ces stats. Vite, un doc. C'est quoi comme plage qu'ils veulent? Genre ça c'est pas... Ça leur va pas ça? Mais ils veulent quoi? C'est la seule plage que j'ai. C'est la seule plage que j'ai moi. Je fais comment? Ah là, ça marchait là. Pourquoi ça marche pas là? Ah si, ok. Bim, un doc. Là on est bien. Là on est bien. Monter la prod des bûcherons, j'ai bien besoin. Je vais faire un camp d'entraînement. Pour les militaires, il va me falloir. Il va construire le camp d'entraînement. Parce que là, je suis full nourriture. Je suis full nourriture, mais je peux pas la dépenser parce que j'ai rien acheté comme territoire. Maximum de la population. Encore une fois. Ok, le doc qui est achevé. Ah, il faut que j'y mette quelqu'un. Va au doc. Tu vas me faire une petite maison ici, là, dans la forêt, à côté du camp. Pour héberger les gens qui ont besoin d'apprendre. Comment ça, t'as rien à faire? Bah ouais, mais ok. Ça coûte combien le phare? C'est où? Voilà. 50. Ok, j'ai pas assez. Il va falloir attendre. C'est bon, il a fini la maison, il va pouvoir devenir un soldat. C'est bien soldat. Je vais en prendre un autre. Toi, tu vas devenir un soldat aussi. J'ai bien besoin d'un peu de gens pour garder l'ordre. Où ça? Comment ça? Ok. Il va falloir que je fasse d'huile aussi. Allez, hop. On va s'étendre un petit peu. Hop, extension into petit phare. Pourquoi je peux... Oh non! C'est où? Oh non! Ok, j'ai compris. Ce qui me manque, j'accepte. Où sont mes... Là. Ok, ça marche. Je vais m'y coller. Toi, deviens érudit. J'ai compris. Vous voulez des gens intelligents. J'ai pas trop formé les gens intelligents. Nouvelle année.
Mon éclaireur a été blessé. C'est dommage. On bête bien. Bien désolé pour lui. Faut que je fasse un truc de healer. Absolument. Absolument que je fasse un truc de healer. Cabane de soins. Toc. Et je vais faire un autre mec qui recherche. Hein. Qui recherche du savoir parce que je vais pas attendre trois quarts d'heure cette histoire, moi. M'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à me dire ? Toutes mes excuses, sire, mais nous devrions pas chercher à obtenir de la pierre. Il s'agit d'un matériau indispensable à l'amélioration des bâtiments. Arf ! Cela m'avait échappé. Trouvons un gisement, exploitons-le au plus vite. Ensuite, il ne restera plus qu'à améliorer nos bâtiments. Bonne idée. Améliorer ces bâtiments est bien plus qu'un luxe. C'est la clé de la victoire. Nous pourrons ainsi y affecter plus d'ouvriers et améliorer notre productivité. J'arrive plus à lire. Il ne sera néanmoins pas possible d'améliorer toutes nos structures. Nous devons donc choisir les plus importantes. N'oubliez pas non plus d'extraire du fer. Nos ouvriers auraient bien besoin de meilleurs outils. Oui, oui, mais ça, c'est dans le futur. Hop. Exploitation optimisée. Ouais. Mais du coup, elle est partie où? Il y avait un... Voilà. S'il te plaît. Deviens un healer. Tout de même, c'est ça le but au tout début. Ok, comme ça, ça va me permettre de les remettre à flot tranquillement pendant que ça continue de rechercher. Du coup, oui, ils veulent que je fasse... ouais, j'ai un gisement ici. Effectivement, il me reste un endroit. Allez, on va... Toi. Fais-moi une mine. Alors, la mine, c'est en production. Logique. Une mine ici. Non, mais je comprends. Hein, je comprends l'envie de vouloir avancer dans les époques, de perfectionner son architecture. Pour ça, il faut... évidemment des matériaux à la pointe. Non, non, mon fermier va mourir. Oh, mon fermier. Oh là là. Bon, allez, deviens fermier, toi. Oh non, c'est triste quand même, mon fermier. Et toi, deviens mineur. Vas-y, mon gars. Je fasse un silo, j'étais prêt pour le silo. Toc, j'ai gardé un endroit là, hop, je savais que ça allait être une galère encore le silo. Je vais avoir ma recherche qu'il me faut, construction navale, régalade, on va pouvoir faire le phare. Hop, le phare. Let's go. Ok, ensuite je dois faire quoi? Je sais pas trop ce que j'ai fait. Oh non! Oh non, non! Par contre, ça, c'est pas cool, ça. Un éclaireur qui meurt. Ça me plaît pas beaucoup, ça.
En vrai, on va mettre tout le monde là. Hop. Du coup, il faut que je me refasse un éclaireur. Ah! Ah, en fait, ça me coûte énormément d'argent. S'il vous plaît. Tu peux réparer? En fait, il me faut de l'argent, c'est ça. C'est ça l'histoire. Pas compris. J'ai vu que ça me coûtait de l'argent, l'exploration machin, mais... Et du coup, si je fais ça, là... Oui. Savoir renommer. En fait, il faut que je lance des raids, c'est ça, pour faire plein d'argent. Je comprends, je comprends. Je pouvais pas savoir. Il y a des bâtiments qui génèrent de l'argent. Production. Non, pas trop. Ah, ça. Ok, je pense que j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Quoi? Des rats? Mais non. Vraiment des rats, quoi. Incroyable. Pourtant, j'ai fait un silo. On m'a dit de faire un silo pour éviter les rats et... Toujours... je me fais toujours avoir. Aïe, aïe, aïe. Faut que je fasse une maison. Faut que je... Hop. Faire ça. Alors, là, il n'y a plus de place. Plus de place. Là, il y a de la place. Oh, yes. Fais-moi une petite maison tranquillement ici, là. À côté du mec qui tourne autour de ses cailloux. On sera très très bien. Alors, je vous dis très très bien. Ok. Du coup, si j'augmente... Du coup, qu'est-ce qui me donne des... Qu'est-ce qui me donne de l'argent? Vraie question. Genre, est-ce qu'il y a un monde où... où je peux faire un comptoir? Allez, on teste. On teste le bâtiment, on connaît pas. Est-ce que je peux me faire de l'argent avec le comptoir? Ou alors pas du tout. Du coup, moi, je peux pas me permettre d'avoir d'avoir moins 5 en argent parce que je génère que 2. Enfin, j'ai que 2 de surplus pour l'instant. Alors, du coup, faut que j'y mette quelqu'un. Toi, vas-y. Voir ce que ça fait. On teste, on teste. Ouais, de la bouffe, de la bouffe. Allez. Et du coup, ça envoie vraiment des gens ou... Ou en fait, non.
Et du coup, là, je peux envoyer. Trop bien. Là, je suis à plus 5. Donc, je peux envoyer BIM. Ça. Ah non, je suis à moins 1. Ah mais oui, je sais pourquoi. Toi, va ici. Ok, là, c'est bon, du coup. Je sais pas pourquoi c'est... C'est bon, mais c'est bon. Hop. Je recommence à gagner de... l'influence commerciale. Oui, c'est vrai. Allez, on va aller chercher ça. Régalade, ça. Régalade infinie. Je perds un peu de nourriture. Mais parce qu'on est en hiver. Et j'ai de la marge. Donc c'est plutôt tranquille. Est-ce que je ne pourrais pas partir là-dessus? Petit upgrade tranquillement. Comme ça, c'est sûr que ça risque d'être assez long. Peut-être falloir trouver un moyen de... Comment ça? Sous mes soldats. Je les ai mis où? Je sais plus. À l'aide, soldats. Sous mes soldats. Toi. Voilà. Vous. Vous ici. Venez vous battre. Mais ils ont... What? L'érudit, il a tué tout le monde. Il a tué les loups. L'érudit, il a tué les loups. Let's go. Par contre, le marchand, lui, n'a pas résisté dans l'histoire. Malheureusement, c'est la fin pour le marchand. Ah bah ouais, du coup, plus de marchand. Ça creuse le déficit budgétaire. Ok, on repasse dans le positif. Hop. C'est beaucoup de 2000 hein, quand même. Beaucoup. Toc toc toc. Ça coûte trop cher. C'est pas mal, mais ça coûte trop cher. Quoi. Mais j'ai. Mais du coup, le marchand il est pas mort. Parce que j'ai deux marchands là. Toujours eu deux marchands. Je ne sais pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas. C'est 19. Oh, je sais pas. Toc. Il y a des trucs que je dois probablement pas faire. Je veux le bonheur. Donnez-moi du bonheur. Comment ça? Hop, j'ai les moutons. Je commence à connaître les moutons. Toi, t'as plus rien à faire. Ok, bah deviens guérisseur. Je pense que
pense que c'est ta voie. C'est ta voie ici de devenir guérisseur pour le bien de ta nation. Je suis en train de faire plein d'argent, ça c'est cool. Ça fait bien plaisir. Qu'est-ce que je peux... Ça j'ai jamais fait. Allez, on va mettre une forge là. Et on va prendre de lui pour aller... Va me construire la forge. Vas-y. Vas-y mon gars. On croit en toi. Cap de nourriture. Comment ça, je suis attaqué? Où ça? Oh non! Toi, fuis! Non, en fait, tue. Le temps que je ramène mes gars, il est déjà trop tard. J'ai perdu quoi du coup? J'ai perdu un... J'ai perdu un quoi? Un fermier? J'avais deux fermiers? Je sais pas. J'essaie de comprendre. Et du coup, ça... Ça coûte combien? C'est ça ma question. Ah, là, c'est gratuit, c'est ça? Ok. Si là, c'est gratuit, c'est déjà plutôt cool. Oula. Qu'est-ce que... Hein? Il y a le feu. Ça, ça craint. Hop. Toi, tu vas là. Oh. Ok, le fermier il est amélioré. Hop. Le savoir. J'ai bien envie de passer à une route commerciale un peu plus... Oh, c'est vite cher par contre. Allez, on va rester là-dessus. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. C'est trop cher. Comment je fais, moi? Comment je fais? Bah, je fais pas. Voilà. Voilà comment je fais. Je fais pas. Je sais pas trop quoi faire d'ailleurs, là tout de suite maintenant. Si je résume, est-ce que j'ai des trucs qui... Ah mais j'ai un... J'ai un gisement là, pour récupérer de la pierre.
Allez, on va passer un peu en... On va passer un peu en déficitaire, histoire de faire gonfler un peu nos points d'influence commerciale. Lui il a amélioré les pêcheurs. Et maintenant c'est que des trucs que je peux pas me payer. Yes! Let's go! Eux c'est des quoi? Guérisseur, ok. Guérisseur c'est cool. J'ai un villageois. Je vais avoir un villageois aussi ici. Est-ce que je ferais pas un mas de la place là? Ah, c'est pas de place. Du coup non. Ah. Embêtant ça. Plutôt embêtant ça. Allez, mes guerriers ils vont aller se battre. Faut que je fasse des trucs là. Que je fasse des trucs. Oh, en plus c'est l'hiver. Oh, je suis déficitaire en bois là en plus. Oh, c'est pas bon ça. Le déficit en bois fait pas plaisir. Ça par contre c'est plutôt cool. Petit terrain supplémentaire récupéré. Plutôt sympa. Ah oui d'accord. Donc ça en fait... Ça en fait je veux. Ils sont où mes guerriers? Oh, je les ai encore perdus. Yes. Guerrier. Ah mais ils sont là, c'est juste je les vois pas. Pourquoi j'ai 4? J'ai un marchand avec. Toi retourne à ta life. Ok, on va aller prendre ça. Ça va être un combat épique. Hop, un peu de micro pour perdre personne. Toujours mieux. Et on va récupérer ça pour alléger nos coûts en bois de chauffage. Parce que là, j'avoue que c'est pas la folie. Je peux les tuer. Non, je peux pas les tuer. Un peu dommage. Un peu dommage de pas pouvoir le tuer. Il faut que je fasse une maison très important. Si j'ai plus de place, allez, on va prendre si il m'a de la place ou pas. Non mais ici faut que je fasse un pavillon de chasse. Toi viens me faire un pavillon de chasse. C'est où là? Toi, pavillon de chasse, toi viens là et fais moi une maison. Maison. Hop, il régène, j'ai perdu personne, ça me régale. Faut que j'arrête. Enfin, faut que je rechange pour celle-là avant d'être ruiné. Comment ça, je suis attaqué? Non. Mais où? Je vais tuer une termite. Va-t'en. Va-t'en. Sois un lâche. Sois un lâche, les guerriers arrivent. C'est que tu peux plus travailler, c'est pas grave, y'a un loup, tu peux faire mourir. Bien sûr que non. Ok, lui il a fait la maison. On va le laisser là pour l'instant. Bon, je suis à 600 points sur 2000. Ça devrait bien se passer. On va attendre de se refaire un peu d'argent pour relancer
La route qui coûte cher. Allez, ça. Ok, je suis re dans le positif pour tout. Toi, deviens un chasseur. Ok. Non, on est bien là. On est bien, bien, bien. Peut-être. Peut-être je vais aller essayer de récupérer cet endroit après. Parce qu'il y a des loups. Il y a des drogues. J'avoue que. Voilà, c'est pas. On va commencer par les loups d'ailleurs. Quand même plus facile à gérer les loups. En plus, il y en a qu'un. J'ai plus d'éclaireur d'ailleurs. Je viens de tilter là, mais plus d'éclairs. On va refaire un éclair. Plutôt important les éclairs. Faut au moins en avoir un. Du coup il peut. Voilà, il peut éclairer. Ce qui m'arrange plutôt pas mal. Oui, ici il y a un petit. Ok, les drogues. Ça va, ils ont swap l'agro. Ça régale. Je colonise. Allez, je colonise. Ah, parce que j'ai fait un pavillon de chasse qui me procure encore un peu plus de nourriture. Hop, ça me rend la zone un peu plus safe. Ça, c'est pas mal déjà. En soi. Puis bon, dans la course à l'influence commerciale, clairement, il n'y a pas de... pas de blague, hein. Je suis bien devant. Même si ça remonte là de son côté, pour l'instant je suis bien devant. Et ça fait plutôt plaisir. Mais j'ai un peu peur, j'avoue. J'ai un peu peur. Est-ce qu'il faudrait que... Allez, on va améliorer. Ça peut pas faire de mal. Je sais pas si ça va vraiment. Ouh, je peux ajouter un gus. Ouh, j'ai récupéré plein d'argent. Ça me régale. Hop. Je me fais plaisir. Je récupère des trucs à tout va. Ok, ok. Alors, ils sont où mes guerriers? Là. Guerriers. Parce que là, il y a des méchants. 5 kobolds, c'est beaucoup. On est d'accord, c'est beaucoup. Est-ce qu'on serait pas un petit... Non, en vrai, non. Il faut mieux garder tout notre argent pour le développement. Je comprends pas. Ils sont en raid et en même temps. Pas compris. Pas tout compris dans cette histoire. Mais je suis repassé en déficitaire et. Quoi?
Et du coup, allez-y, hein, lancez un raid. Hein. Aïe aïe aïe. On se fait attaquer. Mon armée. Là. C'est tellement loin. Toi, va-t'en. Ah, oh, j'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Et ils vont peut-être réussir à le prendre. Oh, ça serait chiant. Pour le coup, ce serait plutôt chiant. J'ai quand même perdu un fier villageois. Ça m'embête un peu, ces histoires. C'est bon, ils ont récupéré le truc. Ouais. Allez, on va tuer les loups. Ce sera fait. Oula, il y a un ours ici. Faut faire attention quand même. Histoire de ne pas réveiller l'ours. J'avoue, pas très chaud pour réveiller l'ours. Ok, pour l'instant on n'est pas trop mal. Je sais pas si je dois investir dans un peu plus de militaires ou pas. Je pourrais pas me caler un. Ah ouais, mais j'ai pas d'autre côte. J'aurais peut-être pu caler un deuxième port. Pour avoir un port. Mais non. Je suis seulement dans l'attente de ma victoire. Ma victoire future. Il est où mon explorateur? Il explore toujours. Ça marche. J'ai envie de faire des trucs, mais je sais pas quoi. Parce qu'en vrai, j'ai pas grand chose à faire. Je pourrais faire une petite brasserie quand même. J'avoue que j'ai pas fait de brasserie. Je manque un peu à tous mes devoirs. Mon explorateur qui est blessé, c'est dommage. Hein. Vraiment, je suis triste pour toi, mais c'est comme ça. J'ai atteint les 1000 d'influence commerciale. Incroyable. Je sais pas du tout ce que ça m'apporte. Oh, j'ai gagné 150 de nourriture, 200 de bois et 10 de fer. Comme ça, gratos. Vive l'influence commerciale. Toi, deviens brasseur. J'ai vu en toi la lueur du brasseur. Oula! Oula! Oula, la tempête de neige, elle met mal. Hein. C'est bon que j'ai un peu de stock, hein, parce que là, on voit plus rien. La crise. Les pertes. Pertes financières. Hein. Compliqué, là. Heureusement qu'on a le geyser pour nous réchauffer.
ça va pas durer. Hop, je fais un truc. Hop, pas trop mal en vrai. Vous gagnez un festin gratuit par an. Vos tours de défense et vos unités militaires sont 15% plus résistantes pendant un festin. Ça marche. Est-ce que j'organise un festin là, là? Non. Non, j'ai pas envie de. Non, bah non. C'est vrai que lui, je lui ai envoyé faire des trucs. Une maison, please. J'ai plus de place. Et là, ici, on va repasser dans la route qui me coûte pas d'argent. Oui, enfin, qui me fait pas perdre trop d'argent, quoi, plutôt. Plutôt. J'ai amélioré, mais j'ai pas compris combien ça me coûtait, malheureusement. Ce qui est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Où sont mes guerriers? Je les perds toujours, mes guerriers. Ah, ils sont là. Est-ce qu'on attaque les kobolds là? C'est chaud quand même les kobolds. C'est chaud un peu. En plus, j'ai pas vraiment besoin de terrain en plus. Donc moi, je serais d'avis de ne pas les attaquer pour l'instant. Si un jour le besoin de d'espace supplémentaire se fait sentir, peut-être qu'on y ira, mais pour l'instant, ça va. Mon éclaireur n'est pas mort, incroyable, il est à l'autre bout du monde, mais il n'est pas mort. Mon compte en banque se remplit. Et ça fait du bien. Et comme ça, après, on pourra aller voilà, dépenser tout notre argent pour gagner nos points d'influence commerciale. Et on sera très très bien. Mais il nous faut plus d'argent. Ah, mon éclaireur est mort. Des choses qui arrivent, malheureusement. C'est vraiment un peu triste. J'ai jamais fait l'hôtel des rois. Je crois que j'ai tout fait hein, c'est bon, en termes de bâtiment à part l'hôtel des rois. Après, il y a peut-être d'autres bâtiments par la suite. C'est possible. Ah, ici j'ai bien deux places pour des érudits. Donc en soi, si je voulais vraiment farm je sais pas comment, le savoir. Et eh bah ben, je pourrais toujours plus. Ça y a un truc. C'est vrai qu'ici j'ai construit une petite maison. Toc toc toc. Tellement de villageois. Oh non! Vite, réagissez. Soyez fast. Hop, la garde, on retourne là. Les autres, ça retourne travailler. Ça se défend bien, n'empêche, hein, des.
des érudits et des marchands. Ça rigole pas. Hein. Allez, on va aller là, on va faire un peu de militaire, juste légèrement. Voilà, petit lanceur de hache. Ah, mince. Ici, voilà, petit lanceur de hache. Histoire de renforcer un peu notre nos capacités militaires, parce que ce serait bête quand même de se faire détruire. Alors qu'on est en bonne voie pour. Voilà, pour gagner. Il fait quoi celui à qui j'ai dit d'aller construire? Il est pas allé. Allez construire, s'il vous plaît. Vous serez bien gentil. J'ai encore un max de nourriture, comme d'hab. Le brasseur, il augmente quand même la bonne heure du clan. Ça, c'est quand même pas rien. Hein. Allez, deviens lanceur de hache. Rejoins la garde. Je pense qu'on va aller affronter des trucs, hein. Je sais pas quoi encore, mais est-ce qu'on n'irait pas affronter l'ours? Soit l'ours, soit les kobolds. Ouais, mais où ça? Ah oui, là! Là, il veut dire. C'est embêtant ça. Il reste de la place dans cette forêt? Non, il ne reste pas de place dans cette forêt. Ok, donc allez dans la forêt et toi. Ah non, toi t'es un bûcheron. Faut un villageois. Villageois, viens à moi. Viens là. Mais là il y a deux. Et fais-moi une tour de défense. Hein. Moi j'ai peur. Clairement, moi j'ai peur. Dis, il y a des portails et tout. Et les méchants ne peuvent en sortir. Je suis pas chaud du tout, moi. Ok, on a avancé ici. Oh, je prends ça. Trop fort. Juste trop fort. Ça construit. Ici, on a mis. La garnison. Et est-ce qu'on repasse dans les routes commerciales qui coûtent bien cher? Ouais. Hein. Petit coup de celle-là. Là. Qui va bien nous détruire notre argent. Après, en termes de points, c'est cool, mais. En termes d'économie, on est sur des histoires un peu salées. Hein. Ça fait cher les points d'influence commerciale, hein, moi je vous le dis. Mais bon, c'est la dure loi du marché.
Ça va, on y est presque. On a presque fini. Du coup, est-ce que je... Je vais avoir un villageois qui meurt, est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment. J'ai atteint les 1500, ça me régale. Par contre, faut que je rebaisse parce que... Sinon, je vais être ruiné d'ici peu. Hop. Oui, bah ça bagarre un peu, mais est-ce que c'est grave? Pas vraiment. On va devoir envoyer un petit gars pour réparer, mais... Voilà, on est bien défendu, on se sent bien. On se sent bien sur notre petite bourgade là. On est pépère. Voilà, on a eu un peu de problème avec les voisins, les kobolds, les drogues, les loups. Il y a les violets là, je sais plus comment, je sais plus de quel clan ils font partie eux, mais ils veulent se battre de manière fait gentleman via le business et je suis bien chaud. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un autre comptoir? Est-ce qu'on ferait pas voilà. Petite route commerciale avec les kobolds, histoire de se mettre bien avec les kobolds. Ça me chauffe. J'ai quoi? J'ai un villageois. Bah ouais, j'ai vu que j'avais des gens mécontents, mais qu'ils voulaient que j'y fasse, moi. Leur plaire, hein. Je sais pas quoi leur donner. Pourtant, attendez. Moi, j'ai la solution. Vous êtes pas content, on va faire un peu plus de bière. Vous serez bien mieux. Moi qui vous le dis. On envoie du monde travailler à la brasserie. Vous allez être refait. Non, en fait, je rigolais. Deviens paysan plutôt. On a besoin de paysans. Mais c'est vrai que faut pas que je fasse d'unité militaire, ça me coûte de l'argent. C'est clairement pas une bonne idée. Sachant que j'attends juste d'avoir les points. Et que pour avoir les points d'influence commerciale, il me faut de l'argent. J'arrête de dépenser de l'argent pour rien. Comment ça, je suis attaqué? Toi, va-t'en, cours. Cours tel un lâche. J'ai dit cours, mais... Arrête de vouloir y retourner. Voilà. Tu serais mort sinon. Non mais... Moi j'ai pas envie de laisser mes compatriotes mourir. Les aider moi. Je suis à 1628. On y arrive presque. On est presque à 2000. Ça régale. Mais je me dis que c'est pas encore très rapide. Du coup, j'ai bien envie d'accélérer les choses. Je vais me faire un truc. Vous êtes pas prêts. Mais alors, pas prêts. Je fais un petit comptoir ici même, pour me faire encore plus d'argent.
et revendre toujours plus de nourriture parce que je suis tout le temps full stock. À l'infini. Et ça m'énerve. Donc, on va le laisser construire le comptoir, on va l'assigner en tant que marchand, il va nous gagner de la thune, qui nous permettra d'avoir nos derniers points d'influence commerciale. Vite, vite, vite. J'ai hâte. Plutôt que faire des trucs qui me coûtent de l'argent, je vais faire des trucs qui me génèrent de l'argent. Ce serait bien mieux. Hop, deviens marchand. Ok. Et maintenant, let's go. On va sur... Ouais, non, celle-là encore. Celle-là. Pas aller sur celle qui va à donf et qui coûte hyper cher. On va aller sur celle-là en espérant que ça tienne. Il me manque 300 points. Ça devrait passer. Mais on va voir. Je suis au maximum de ma population. Mais en vrai, j'ai pas trop envie de faire d'autres maisons. J'ai tout pris là, c'est incroyable. Je vais prendre la médecine, j'ai déjà pris. Comme ça. Comme ça, je vais prendre ça. Du brouillard ici. Allez, il manque 250 points d'influence commerciale. Ça va se faire tranquillement. Niveau budget, ça a l'air de tenir. Et n'empêche, l'île là, ça rattrape. Hein. Ça rattrape bien. Mine de rien. Oui, je sais qu'il n'y a plus de place, mais on s'en fiche. On s'en fiche. On n'est pas là pour créer l'état avec le plus de population du monde. On veut juste avoir notre influence sur les guerres commerciales. On veut être l'intermédiaire vers qui tout le monde se tourne pour toucher notre petite part du business. Il manque plus que 200 points, moins de 200 points maintenant. Et j'ai presque envie de... Presque envie d'aller chercher le truc. Oula! Est-ce qu'on a des bâtiments cassés? Pas de bâtiments cassés pour l'instant. Faire un peu attention. Je sais pas si j'ai une alerte dès que j'ai un bâtiment cassé ou pas. Allez, on speedrun la fin. Speedrun la fin, on passe à 15. Ça va vider notre porte-monnaie. Pas sûr que ça tienne, du coup. Pas sûr que ça tienne. Il me reste 285, mais ça descend à toute allure. Vous voyez ici, en haut, l'argent. La route qui me coûte 40. Ce qui est énorme. Et ma production de points. Arrivé à 1900. Attention. 1900, il nous manque 100 points. Il nous reste 230 krones. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Ça devrait tenir. Et on devrait voir ici la victoire d'ici quelques secondes. Attention, on est dans la dernière ligne droite.
On voit le bateau qui revient. Il manque plus que 50 points. Et on est à la fin de cette mission. 30 points. 30 points et on aura notre leadership dans le commerce. 10 points. Il ne me reste plus beaucoup d'argent. Heureusement, ça se finit. Et voilà la victoire sur cette quatrième mission. Enfin, la victoire, j'imagine. Nous régnons en maître sur le commerce de la région. Tout échange de ressources via cet estuaire devra passer par nous. Voilà, on est les boss. Et du coup, Liv. Félicitations, messire. Vous m'avez battu à la loyale. Eh oui. Je crains que mon maître n'apprécie guère la nouvelle. Profitez de votre hégémonie tant qu'elle dure. Cette région n'est plus d'aucune utilité pour moi. Je vous fais mes adieux. La réaction de Hagen promet d'être des plus déplaisantes. J'entends déjà ses reproches. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui étais le meilleur dans le biz. Quelle étrange réaction. Sous cette férocité et cette détermination, elle a su nous féliciter avec sincérité. C'est vrai, elle a su reconnaître que j'avais gagné. C'est un peu normal, hein. Brand, Alvard, je viens d'avoir des nouvelles d'Egil. D'Egil. Egil ou Egil ? Il a retrouvé la trace d'Agion dans une région proche. Je vais le rejoindre sur place. Terminer ce que nous avons commencé à mettre en place. Ici. Oh, c'est pas fini ça. Je suis ravi d'apprendre que votre vengeance est enfin à portée de main. Soyez prudent, sire. Nous vous rejoindrons dès que possible. N'oubliez pas qu'il suffit d'établir une route commerciale depuis un comptoir pour mener à bien nos futures opérations dans la région. Ok. Victoire ! Ça a été pas vraiment dur, un peu long. Un peu long, autant d'avoir tous ces points et tout, et d'avoir une économie assez forte pour supporter le coût de ces routes commerciales. Mais toujours aussi cool, hein. Vraiment ce jeu... par contre, il a l'air de plus en plus complexe. Je sais pas. J'attends de voir vraiment du late game.